Pardon, allume-moi. Tu as porté quoi? Ça et ça. Aïe. Mais tu mets tes fesses sur ça pour regarder. Il me fait sur ça. Oui. Tu portes de... Oh non, c'est pas chaud. Hein? C'est pas chaud. Non. Avec un pantalon. Avec la culotte là. C'est bon. Coucou mes chéris. Maman, je ne pouvais pas dormir sans faire le direct. Je ne pouvais pas dormir sans faire ce direct, honnêtement. Attendez. Santé, mes chéris. Partagez le direct. Parce que vraiment, ouf. Ce que j'ai vu là. Des. Apporte-moi le téléphone, mon bébé. J'ai besoin de ton téléphone. Je vais montrer le... la vidéo là aux socorreuses. Partagez mes chéris, partagez, vous envoyez les cœurs. Si vous êtes connecté, vous commencez à envoyer les cœurs pour me montrer que vous êtes connecté. Parce que là, je ne vois rien. Je ne sais même pas si vous êtes connecté. Je vois en haut là, zéro. Je vois en direct seulement, je vois zéro. Je ne vois rien. Donc, papotez sur les cœurs. Papotez sur les cœurs comme ça. Papotez sur les cœurs si vous êtes connecté. Papotez. Coucou Nathalie Owen. Tu es passé où depuis? Tu es passé où depuis récemment? Partagez mes chéris. Partagez le direct. Bonsoir, mes chéris. Tavares, comment tu vas? Winnie, oh, bonsoir. Mais bébé, partagez d'abord le direct. Partagez. Pardon, je veux qu'on soit au moins 500. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai 5 minutes de direct à faire. 5 minutes comme ça, là. Donc, à 500, le direct doit durer minimum 10 minutes. Donc, j'ai 10 minutes à faire avec vous. Partagez le live. Putain. Non, mais ça, c'est quoi? Hein? Il y a 500 personnes. On doit être 10 minutes de direct. Voilà. Merci pour les cœurs. Merci. Je vois, il y a les commentaires. Coucou Leila Choco. Comment tu vas? Maurice Camden, bonjour. Alpha, bonsoir. Oh là là. Mais la clim, nobe. Je te dis plus que allume la clim. J'ai chaud. Coucou Téclair. Coucou Méni. Comment tu vas, ma chérie? Mais à 16. Ok, celle-ci m'insulte. Tu m'insultes seulement pourquoi? Celle-ci, tu m'insultes pourquoi, brut Cameroun? Je te bannis alors. Je te bannis. Que Dieu te donne longue vie, ma stage. Je t'aime. Oh, Winnie, amen, ma chérie. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Désapproche pas le téléphone. Je veux pas durer. Je fais bien, c'est juste pas, voilà mon compte, super. J'ai joli malgré que tu sois fâchée. Non, je suis pas fâchée. Je suis pas fâchée. Tout calme, d'accord. À 500, voilà, on est à 500. Partagez mes chéris, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Aime-moi et quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ce cueil. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter et remettre. Ne m'attend... Maman! Non, 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 non. Des? Apporte-moi ce téléphone alors! Hey! 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 Hey, la mort! Hey, l'esprit de mort! Hey, l'esprit de mort qui rôde dans ce pays! L'esprit de mort qui rôde dans tous, dans ce pays! Mes chéris! L'esprit de mort rôde trop! L'esprit de mort qui est en train de rôder là. Je vous ai dit que anéantissez l'esprit de mort autour de vous. Détruisez l'esprit de mort autour de vous, mes chéris. Détruisez, prophétisez dans vos vies. Déclarez. Viens à la vidéo, je vous montre aux socorreuses. Merci, Ariane. Amen. Moi, j'attends le socorre, mamie. Vous dites, encore partage, j'attends le socorre. Vous êtes 6, ça va passer sans cœur. Coucou, ma belle, donne-moi le numéro de Glutathione en France. Ok, ma chérie, après le direct, non. D'accord, Léa, oui, je t'aime. Merci, mon amour. Mais bébé, je vous ai dit que ne perdez plus le temps parce que l'esprit de mort rôde dans ce pays-là. L'esprit de mort rôde dans notre pays. Priez pour détruire l'esprit de mort autour de vous. Invoquez le sang de Jésus-Christ pour détruire l'esprit de mort autour de vous. Détruisez l'esprit de mort autour de vous. Priez sans cesse. Je vous le dis encore, priez sans cesse parce que l'heure n'est pas la rigolade. Vous comprenez, l'heure n'est pas la rigolade. Priez. Voilà le soir comme ça, priez. Arrêtez de regarder une nouvelle Steve le soir que tu dors avec la télécommande à main. Priez. L'heure n'est pas la rigolade.
Ce n'est pas le moment de rire, ce n'est pas le moment de... C'est le moment de prier, prier seulement et prier. Jeûner et faire des prières. Vous comprenez? Parce que j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment... J'ai craqué, j'ai fondu en larmes. Vous comprenez, non? J'ai vu cette vidéo, vraiment, ça m'a fait... Donc, mon cœur est serré, en fait. Mon cœur est serré, honnêtement. Mon cœur, il est serré. Tu as vu la vidéo, Sidès? Enlève mon bébé. De la part de Shekina, message vocal. C'est ta petite amie. Voici aussi mon fils, que sa petite amie lui écrit à 20h44. Elle va y dormir. Donc, priez, brisez l'esprit de mort autour de vous. Priez que l'esprit de mort ne soit pas votre partage. Et déclarez ces paroles dans votre vie. Que l'esprit de mort, la mort ne serait pas mon partage. La mort ne serait pas ma portion. La mort ne serait pas mon héritage. Donc, déclarez ces paroles chez vous. Que la mort ne serait pas mon partage. La mort ne serait pas mon héritage. La mort ne serait pas ma portion. Déclarez ces paroles chez vous, mes chéris. Je vous ai dit que Dieu vous a créé avec un esprit de force, avec un esprit d'amour. Il vous a donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions. Brisez l'esprit de mort autour de vous. Priez sans cesse. Brisez la maladie dans votre vie. Annulez la maladie dans votre vie. Annulez la malédiction dans votre vie. Annulez la malédiction dans votre vie, mes chéris. Annulez les paroles de malédiction. Annulez la maladie. Autorisez à la maladie de libérer votre corps. Autorisez aux esprits impus de libérer votre corps. Je vous ai dit, dans chaque maladie, il y a un mauvais esprit. Il n'y a pas une maladie qui vient sans un mauvais esprit derrière. C'est pourquoi vous voyez même le palu tue. Tu entends dire que quand il était malade le matin, à midi, il est mort à cause du palu. Il y a un esprit qui se cache derrière toutes les maladies. Même la grippe, il y a l'esprit de mort derrière, même la grippe. Il y a les mauvais esprits derrière toutes les maladies. Vous comprenez, mes chéris? Donc, j'ai vu la vidéo de mon collègue ici, ça m'a vraiment brisé le cœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Vous comprenez? Je vais pas ici indexer quelqu'un. Ça m'a brisé le cœur. Sachez aussi que la maladie existe. Sachez aussi que les maladies naturelles existent. Sachez aussi qu'il y a les maladies mystiques aussi maintenant qui existent. Maintenant, si vous n'êtes pas connecté à Dieu, si vous n'êtes pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous allez passer, vous allez mourir comme des petites fourmis. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, je vous fais écouter la vidéo aussi. Je vais vous faire écouter. Il n'y a pas le volume. C'est tout le volume ici. Ouais. Attends, mets un peu ton téléphone sur mode avion. Mais j'écoute d'abord la vidéo. Il faut d'abord voir la vidéo, comment ça fait. Mais mon Dieu, c'est... Ouf. Ma vidéo là. Allez, décollez-toi un peu pour quelques minutes. Ça ne va pas faire 5 minutes. Chassez la maladie loin de vous. Que la maladie ne vous possède pas. Que la maladie ne vous commande pas. Que la maladie ne vous dévore pas. Ordonnez à la maladie de libérer votre corps. Dites, la maladie ne sera pas mon partage. La maladie ne sera pas mon héritage. La maladie ne sera pas ma portion. Priez comme ça, déclarez ces paroles dans votre vie. Que toute flèche de l'ennemi dirigée contre vos vies soit brisée au nom de Jésus. Priez. Regardez. Regardez comment le gars s'est devenu. Vous-même, regardez. Regarde comment le gars est devenu, mes chéris. Merci beaucoup. Je vous dis encore merci beaucoup. Au fond de mon cœur, merci beaucoup. Parce qu'en passant, il y a les gens qui m'ont appelé, même pour les prières. Même pour les prières, ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, je... Il parle de prières. Les prières l'ont beaucoup aidé. Écoutez. Je ne m'attendais pas aux gestes. Je ne pourrais pas imaginer que le monde entier, parce que c'est le monde entier qui a continué. C'est le monde entier. Ce n'est pas seulement le Cameroun. C'est le monde entier qui a continué. Pour moi. Pour moi. Et les gens, je sais parmi les gens que je ne connais pas et que je sais par qui ne connaissent pas, ils ont continué pour moi. Je vous remercie beaucoup. Pourquoi ça se coupe? Non, j'avais... C'était 9 minutes. Attendez un peu, je mets pause.
Vous voyez cette vidéo de Muta Penda? Et s'il est en train de dire merci aux personnes qui l'ont soutenu, regardez comment il a maigri. C'est Muta Penda. Regardez comment Muta Penda a maigri. Mais par la grâce de Dieu, il est assis là, il nous parle. Il dit que il y a tellement de personnes qui ont prié pour lui. Il insiste sur les prières des personnes qui ont fait l'ont sauvé. Il dit merci aux personnes qui ont appelé pour prier avec lui. Il félicite ceux qui lui ont adressé beaucoup de prières. Vous comprenez un peu, non, mes chéris? Il dit que il a vu la mort passer devant lui. Il dit qu'il a vu la mort passer devant lui. Vous comprenez, non, mes chéris? Il a vu la mort passer devant lui. Vous voyez comment il n'arrive même pas à parler. Il n'arrive même plus il n'arrive même pas à bien respirer. Il dit qu'il remercie Maman Kameni, il remercie Aïcha Kamoise, il remercie Pifo pour le geste. Il était abandonné à lui-même, il ne savait même plus quoi faire. Vous m'écoutez dans mes chéris. Mais il insiste sur les prières. Il dit que tout est vanité. Il dit qu'il ne veut plus, parce qu'il y a des personnes qui l'appellent pour l'envoyer clasher quelque chose. Je ne sais pas de qui est-ce qu'il est en train de parler. Il dit qu'il y a des personnes qui l'appellent pour l'envoyer pour qu'il parte clasher où c'est qu'il a. Vous comprenez? Il dit qu'on le laisse tranquille. Pendant sa maladie, il a vu la mort passer devant lui. Il a compris que tout est vanité. Il a compris qu'on ne discute rien sur la terre. La terre ne nous appartient pas, rien ne nous appartient. Est-ce que vous m'écoutez? Ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui vient, il vient de loin. Les paroles de quelqu'un qui a vu vraiment la mort passer devant ses yeux. Vous voyez ses mains? Vous voyez ses bras? C'est là-bas comme les je ne sais même pas ses bras. Il est maigre. Il a tellement changé. Vous voyez comment il a maigri, il blanchit. Cependant, les gens l'appellent pour lui dire, va clasher tel. Mais je ne sais pas comment le monde s'y fonctionne. Hein. Je ne sais pas comment ce monde s'y fonctionne. Pendant que quelqu'un est malade, vous appelez seulement pour lui dire comment il faut qu'il aille clasher quelqu'un. Hein? Il a remercié Aïcha Kamoise, il a remercié Maman Kameni, il a remercié Pifo. Ce que j'ai écrit, le titre de mon direct, c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit qu'il a vu la mort passer. Il ne sait pas qu'au jour d'aujourd'hui, il sera en vie comme ça en train de nous parler. Il y a des personnes maintenant qui partent organiser les groupes WhatsApp maintenant pour dire qu'il y a l'argent qu'on veut réunir pour lui donner. Vous partez même faire les anacres pendant que quelqu'un est en train de mourir, ma soeur. Vous faites même ça comment? Hein? Vous faites ça comment même? Vous êtes toujours là, les polémiques, les problèmes seulement. Vraiment, donc tu appelles quelqu'un, il est malade, il est souffrant. Tu n'as pas le temps de prier pour lui. Tu n'as pas le temps de lui faire un petit dépôt. Tu as seulement le temps de lui dire comment il faut qu'il appelle quelqu'un pour le clasher. Il dit qu'il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Il dit dans son direct qu'il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Il ne veut pas lui les problèmes. Tout ce qu'il veut, c'est la guérison. Qu'on le laisse dans sa maladie. Muta Penda, ce que je vais te dire, c'est que ne dis plus qu'on te laisse avec ta maladie. La maladie ne te possède pas, mon chéri. Écoute bien ce que je te dis. Si tu regardes mon live, ne dis plus que laissez-moi avec ma maladie. Laissez-moi dans ma maladie. La maladie ne doit pas te posséder. Cette maladie ne doit pas te posséder. Ne dis plus que laissez-moi avec ma maladie. La maladie ne doit pas te posséder. Tu dois guérir au nom de Jésus. Tu dois guérir. Si Dieu a permis que tu fasses ce direct aujourd'hui, c'est parce que tu dois vivre. Tu ne vas pas mourir. Tu vas guérir. Dieu t'a déjà guéri. C'est lui qui a fait que tu lances le live aujourd'hui. Parce que je vois, tu parles là, tu respires à peine. Tu as du mal à respirer. Tu as de la peine même à t'asseoir. Que le Dieu qui a ressuscité Lazare te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je déclare que le Dieu qui a ressuscité Lazare te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas sourd. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Il entend, il voit. Tu es guéri, mon père. Tu vas guérir, rien ne va t'arriver. Je ne sais pas ce dont tu souffres. Je ne sais pas si ta maladie est mystique ou elle est naturelle. Mais peu importe ce que tu... Peu importe, je ne sais pas ce qui te ronge. Mais nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison dans ta vie. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que le sang précieux de Jésus-Christ te couvre et te protège. L'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu chez toi. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Plonge ta vie et ton sommeil dans le sang de Jésus-Christ.
C'est le sang qui nous a justifiés. Invoque Jésus dans ta maison, mon chéri. Jésus-Christ qui a sauvé, qui a reçu Lazare dans le tombeau autrefois, il peut encore le faire pour toi aussi. Il va te guérir. Il t'a même déjà guéri. Tu es déjà guéri. Nous déclarons que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Nous déclarons la guérison et rien que la guérison. Mes chéris, vous avez vu ce direct, le gars parle à peine. Il a du mal à respirer. Je ne veux pas savoir ce danger, je ne veux pas savoir la provenance de sa maladie. Nous déclarons seulement la guérison. Nous déclarons seulement la guérison. Nous déclarons la guérison, que Dieu l'aide. Que l'Esprit de Dieu le réveille. Que l'Esprit de Dieu fasse un miracle dans ta vie. Que Jésus-Christ opère un miracle là dans ta maladie là. Que Dieu opère un miracle. Que Jésus-Christ opère un miracle. Tu es guéri. Tu es guéri. Comme tu as pris ton téléphone pour lancer le direct aujourd'hui là, tu retrouves la guérison complète. Tu retrouves la guérison complète. Le sang de Jésus va te guérir. Le sang de l'agneau va te guérir. Le sang de Jésus-Christ va te guérir. Oui. On ne peut plus être malade, peuple africain. J'ai dit quoi de mal dans mon... Je suis en train de dire quoi? Il y a quoi de déplacé dans mes propos? J'ai dit, je ne veux pas savoir la provenance de sa maladie. Que sa maladie soit mystique, qu'elle soit une maladie normale, nous déclarons seulement la guérison. Nous déclarons seulement la guérison. Peu importe la provenance de sa maladie, nous déclarons seulement la guérison. La guérison est rien que la guérison. Que le Dieu qui a ressuscité Lazare le guérisse. Que la main puissante de l'Éternel le guérisse. Que le sang précieux de Jésus-Christ le guérisse. Oui. Donc, mes chéris, priez beaucoup pour lui. Si vous pouvez le faire un geste, il a laissé son numéro sur sa page. Vous voyez là comment il est malade. Il vit seulement de son art. Il vit seulement de son art. Il vit seulement de ses comédies que vous voyez comme ça. Il tourne, il met là-bas sur sa page là. Vous savez qu'ici dans le monde du showbiz, les hommes n'ont pas l'opportunité que les femmes ont. Hein? On n'a pas dit qu'il a des gros gros contrats comme d'autres influenceurs, comme d'autres acteurs. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a certains acteurs ou il y a certains influenceurs qui n'ont pas les contrats. Ils vivent seulement de ce qu'ils postent sur les pages. Donc, si vous pouvez faire un geste, il a mis son numéro sur la page. Même si ça avait 500, même si ça avait 100 francs, même si ça avait 200, ça peut l'aider. On ne simplifie pas, on ne simplifie pas quelque chose quand on est malade. Il dit, même si c'est 100 francs que vous lui donnez, ça va l'aider à m'acheter 2 sachets d'eau. Même si c'est 500 que vous lui donnez, ça peut lui permettre d'acheter peut-être quelque chose. Parce que dans ce genre de moment comme ça, je ne sais pas, il fait quoi en dehors de la comédie? Il ne fait que dans ça. Il ne fait que ça. Il n'a pas de business. Il n'a pas un autre business qu'il fait en dehors de la comédie. Vous comprenez, mes chéris? Il n'a pas d'autre chose qu'il gère en dehors de sa comédie. Donc, si vous pouvez l'aider, aidez-le. Aidez-le au nom de Jésus-Christ. Aidez-le. Voilà. Donc, c'était... Siège de Jésus, c'est quoi avec tous les jours, non? Donc, c'était un peu ça, son direct m'a traumatisé. Son direct m'a traumatisé. J'ai fondu en larmes en le voyant. Vous comprenez? Donc, j'ai fondu en larmes en le voyant, vraiment, priant beaucoup pour lui. Et dans le si on peut, il dit, même si c'est 100 francs, faites-lui le dépôt. Même si c'est n'importe combien, faites-lui le dépôt. Vous comprenez, bébé? Il dit, faites n'importe, si vous avez n'importe combien, envoyez seulement. Ne dites pas que c'est petit. Envoyez, ça va l'aider. Voilà. Aïcha Kamos, bravo vraiment encore. Bravo, bravo, bravo. Pifo, bravo. Voilà. Donc, mes chéris, on est ensemble. Je vous souhaite une excellente nuit. Voilà, priez avant de dormir. Invoquez Jésus-Christ dans votre vie. Invoquez l'Esprit de Jésus-Christ dans votre vie. Invoquez le sang de Jésus-Christ pendant que vous dormez. Ce sang-là, il y a seulement ce sang-là qui fait reculer les ténèbres. Le sang de Jésus, c'est un sang qui fait reculer les ténèbres. Qui parle des ténèbres, parle des démons. Qui parle des démons, parle de Satan, le diable. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut les faire reculer. Donc, invoquez le sang de Jésus-Christ chez vous. Invoquez le sang de Jésus-Christ dans votre vie. Invoquez le sang de Jésus-Christ pendant que vous dormez, que votre vie soit enveloppée dans le sang de Jésus-Christ. Voilà, demeurez bénis. Bye bye, bonne nuit.